La femme d'Arsène Lupin. Tu dis d'abord, il faut débloquer, débloquer. Ah oui, il faut débloquer, il faut débloquer, il faut débloquer. Ça y est, j'ai trouvé la femme d'Arsène Lupin. Ou les bandelettes de l'homme invisible. Bah, avec des idées comme ça, Valimart lance sa collection en 10 ans. Et là, c'est à moi, oui. Un gros clin d'œil. Et dis-moi, là, tu sais, tu serais parfaite en Charlotte Corny. Excuse-moi, c'est le texte de Dax, c'est « Je t'assure, en Charlotte Corny, tu serais géniale. » « Je t'assure, en Charlotte Corny, tu serais géniale. » Charlotte Corny, c'est qui celle-là? Charlotte Corny. Enfin, tu ne connais pas Charlotte Corny, le pilier de la littérature bretonne? La bigoude à l'amoureuse, enfin, tout le monde connaît. On connaît. Oui. Bonjour, je... Oui, vous étiez en train de mettre Madame Fischer en boîte. Non, mais c'était juste une plaisanterie. C'est Victor est tellement naïf. C'est ce qui fait son charme. Il est vrai que vous portez en vous une candeur attendrissante. Voilà, l'italienne est terminée, le filage de texte est terminé. On peut faire une répète. Tout le monde en place, s'il vous plaît. Merci, Joël. Hop. Ok, attention, on y va, on va demander le moteur. Le moteur est demandé, silence. Oui, on entend ça. On est tout cœur avec toi. Saturne. Ok, attention Saturne, 3 secondes après le parti. Il n'y a pas que Marion des Sources quand même. Non, mais je suis sûre d'un truc. Ce qui plairait à Valimart, c'est une héroïne complètement glamour. Hein? Ben, la séduction... séduction. Vous avez voulu tourner pour le bénéficier sur celle-là ou pas? Il est désagréable. Non, relativement. Ok, on va reprendre depuis le début. Celle-là, c'est pour moi, Dominique. Hein. Non, non, Olivier, là, tu l'as été très bien. Il n'a rien dit. La séduction. La séduction. Il faut débloquer, il faut débloquer. Oui. La femme d'Arsène Lupin. Les bandelettes de l'homme invisible. Non. Non, mais avec des idées comme ça, Valimart lance sa collection dans 10 ans. Tu sais que toi, tu serais parfaite hein, en Charlotte Cornic. Charlotte Cornic, c'est qui celle-là? Bon, tu ne connais pas Victoire, Charlotte Cornic, l'immortelle héroïne de la littérature bretonne. Bah. Genre, la bigoudée amoureuse, tu le connais. Hein. Oh, oui. Charlotte Cornic. Vous avez l'imagination fertile, jeune homme. Oui. Bonjour, oui. Alors. Vous mettez Madame Fischer en boîte, hein? Oui, non, c'était une petite plaisanterie. Oui, Victoire est tellement naïve. C'est ce qui fait son charme.